Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est super excitée à l'idée de vous la filmer. Aujourd'hui on ne va pas faire un look, on ne va pas faire deux looks, on va faire trois looks les amis. Et pas n'importe quel look, vous savez c'est bientôt Noël. Et pour Noël, Nicole aime bien faire un effort particulier pour se faire plaisir à elle d'abord et puis pour faire plaisir à sa famille en se faisant jolie, en s'habillant, en s'apprêtant et désormais en se maquillant. C'est le premier Noël où Nicole va vraiment se maquiller puisque pour Noël dernier elle ne possédait encore aucun make-up. Bref, Nicole va pas blablater pendant 807 ans parce qu'il y a trois maquillages à faire. Elle a eu plusieurs idées, elle a sélectionné trois palettes. Elle compte sur vous pour en commentaire dire quel look vous avez préféré sur les trois. Le premier look sera réalisé avec la palette Charlotte Tilbury Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever parce que c'est une palette d'exception. C'est la palette la plus luxe de la collection de Nicole. C'est sa seule palette Charlotte Tilbury. Elle est magnifique. C'est un bijou et quelle meilleure occasion pour utiliser cette palette que Noël. Moi, je n'en vois pas. La seconde palette que Nicole a sélectionnée pour cette vidéo et avec laquelle elle a tellement trop envie de faire un look, c'est la nouveau palette d'Anastasia Beverly Hills. Nicole vous a déjà fait une vidéo dessus, mais c'était il y a très longtemps au tout début de sa chaîne. Nicole espère qu'elle a un petit peu glow up quand même depuis. Et donc, elle se dit que cette palette mérite un second look. Elle est absolument parfaite pour Noël. Et Nicole, elle a une pure idée de look avec. Et pour finir cette vidéo en beauté, Nicole a sélectionné une nouveauté. Bon, qui n'est plus vraiment nouvelle, mais que Nicole n'a jamais utilisé pour l'instant. Tin, 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 tin. La My Dream Palette de Natasha Denona. Nicole, elle a utilisé ni le rouge à lèvres, ni la palette pour le teint, ni la palette pour les yeux parce qu'elle voulait vous faire une vidéo complète dessus. Elle avait trop envie de la tester et elle s'est dit mais quelle meilleure occasion que Noël pour essayer d'utiliser cette palette. Regardez-moi cette beauté, ces bordeaux, regardez-moi ce duochrome. Ça fait trop envie et Nicole, elle veut faire un look avec cette palette. On garde la surprise pour la fin évidemment. La nouveauté sera le troisième et dernier look que Nicole va vous faire dans cette vidéo. Nicole ne va pas vous filmer les full face à chaque fois parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Ce que Nicole va faire, c'est qu'elle va essayer de faire des teintes différents pour aller avec chaque look et elle va utiliser des produits différents pour vous montrer aussi des combinaisons possibles, des teintes plus naturelles, des teintes un petit peu plus fortes. Vous lui direz ce que vous avez préféré. On commence tout de suite sans plus attendre avec Charlotte Tilbury. Nicole se souvient quand elle avait testé cette palette dans la vidéo sur la box mystère de Charlotte Tilbury que c'était extrêmement pigmenté, donc Nicole ne va pas mettre une base à paupières. Elle va juste mettre son anti-cerne NYX qui est un anti-cerne hydratant parce que Nicole a les yeux un petit peu irrités à force de se maquiller ces derniers temps. Et elle prend son petit pinceau concealer de Zoeva et elle va mettre un petit peu de concealer sur sa main pour venir en mettre sur ses paupières. Et le deuxième œil. Voilà. Cet anti-cerne est un anti-cerne qui crise tout le temps systématiquement sur Nicole. Elle n'oublie pas de relisser ses paupières. Là, il y a un petit beige, donc Nicole elle va s'en servir pour poudrer sa paupière afin de faciliter les dégradés. Elle prend ce petit pinceau Round the Blend de Beauty Bay et elle va venir poudrer sous son sourcil. Hop là. Cette palette elle est conçue en 4 trios. Le premier c'est Love Eyes, donc les yeux de l'amour. Le deuxième c'est Power Eyes, les yeux puissants. Le troisième c'est Happy Eyes, les yeux heureux. Et le quatrième, c'est Confidence Eyes, les yeux confiants. Dans son précédent look, Nicole avait utilisé les trois fards du Happy Eyes, mais là aujourd'hui, elle a vraiment envie d'utiliser les trois fards du Power Eyes, donc des yeux puissants, parce que ce petit vert lui fait de l'œil depuis qu'elle a découvert cette palette. Sur le petit plastique de protection, il y a écrit 1, 2 et 3, et il vient se placer devant chaque fard. Le petit 1, ça correspond à primer, donc à prêter. Le deuxième correspond à rehausser. Et le troisième correspond à fumer, puisque c'est une palette pour faire des smoky. Nicole, elle va être bête et disciplinée. Elle va prendre ce petit pinceau fluffy et elle va aller chercher du coup la teinte numéro 1 du Power Eyes qu'elle va venir appliquer sur toute sa paupière pour préparer. Crise toujours. Cette palette coûte 75€, mais je me souviens quand je l'avais utilisée, que je l'avais trouvé luxe. Enfin, je veux dire, c'est pas juste le prix. Les fards, regardez la pigmentation, ça s'applique tout seul. C'est une couleur qui est super fine. Ça vient se dégrader tout seul avec le beige que j'ai mis juste avant. Ça fait pas de chute, c'est super agréable à travailler. Nicole, elle en met sur son deuxième œil. En trois coups de pinceau, vous voyez, il y a de la pigmentation et de l'intensité. Nicole va essayer de ne pas s'emballer comme la dernière fois. Ensuite, Nicole, elle va aller chercher du coup la teinte numéro 2 qui sert à rehausser. Et elle va essayer de la prendre avec un pinceau plat. Elle va prendre celui-ci pour voir si ça marche au pinceau. Il a l'air super crémeux de ouf. Nicole, elle va venir le mettre sur sa paupière mobile. Waouh. Regardez l'intensité que ça a. Nicole, elle a envie d'essayer au doigt quand même, elle est curieuse. C'est du beurre, c'est de la crème. Les deux marchent très bien. Il est beau!
Regardez la lumière incroyable de ce phare. Il est super doux sur la paupière, c'est trop agréable. C'est un beau kaki lumineux. Nicole, elle reprend juste son petit pinceau brun et elle vient refondre les deux ensemble. Hop. Vous avez vu la lumière? Ah, je suis contente. On va venir prendre la troisième teinte qui est aussi lumineuse pour fumer. Donc Nicole, elle prend un pinceau boule, le 231 de chez Zoeva. Et elle va venir travailler son coin externe et son creux de paupière. Pour donner de l'intensité à son regard. Et elle va étirer un peu. Nicole a les paupières qui tombent, alors c'est jamais très simple. Et on va faire le deuxième œil. C'est un fard qui est lumineux aussi, alors c'est ça que je trouve étonnant dans la conception de cette palette. C'est que les fards d'intensité, dans tous les looks, sont des fards lumineux. Nicole revient dans son creux de paupière. Et vous voyez comme tout est fondu à souhait. Je suis pas du tout habituée à ce genre de make-up, mais je trouve que c'est super beau. Et comme Nicole c'est une ouf, elle va tricher, elle va prendre une couleur d'un autre trio pour venir mettre en coin interne. Et elle va venir chercher la troisième teinte du Love Eyes. Ça a l'air trop beau Love Eyes aussi. Nicole reprend son pinceau plat qu'elle a essuyé au préalable sur sa main. Vous voyez la vitesse à laquelle j'ai fait ce make-up. Wow. Nicole, elle va couper, elle fait son teint, elle vous reprend pour le travail des joues. Pour ce look-là, Nicole, elle a décidé, même si c'est des produits qui sont un peu trop foncés pour elle désormais, d'utiliser les produits typologie, donc le sérum teinté et l'anti-cerne, pour faire un teint assez naturel. À tout de suite. Et voilà, Nicole a fait son teint. Donc comme vous voyez, elle est un peu foncée, mais c'est pas grave, c'est pas non plus choquant. Elle a mis du produit aussi dans le cou pour faire le raccord. C'est pas trop choquant avec les mains. Nicole, elle brille, c'est des produits qui sont des soins, qui sont hydratants. Elle va se poudrer, elle l'a pas encore fait, mais elle veut utiliser son bronzer avant. Elle en a profité aussi pour faire ses sourcils avec le Brofix, qui est un gel à sourcils. Elle les a brossés, elle a essayé de les placer un petit peu pour ouvrir son regard. Et donc Nicole vous retrouve pour mettre le bronzer, le Sun Kissed Glow, donc de Charlotte Tilbury, parce que quitte à utiliser une palette Charlotte Tilbury, autant utiliser un maximum de produits Charlotte Tilbury. Il est chiant à ouvrir. C'est un bronzer froid. Nicole, elle vous l'a montré pas mal de fois dans ses précédentes vidéos. Elle adore ce produit. Nicole prend son petit pinceau poudre de chez NYX. Elle prend du bronzer, elle tapote un peu sur son poignet et elle va venir le placer. Elle a essayé de le mettre avant et après la poudre. Elle préfère le mettre avant la poudre. Parce que vous voyez, il est super pigmenté. Du coup, la poudre, elle permet d'aider à doser. Oula, mais là, je me suis endormie. Là, je sais pas ce que j'ai branlé. L'avantage, c'est qu'il se travaille bien. Nicole, elle aime beaucoup. Faut vraiment qu'elle s'entraîne. On crée une belle ombre sous le double menton. Et voilà pour le bronzer du coup. Nicole elle poudre et elle revient pour enchaîner avec le blush. Nicole vient de mettre sa poudre au début. Et Nicole elle prend son blush Charlotte Tilbury. Le Cheek to Cheek en teinte Sex on Fire. C'est un petit blush assez léger, très doux. On doit mettre le côté clair sur toute la pommette et faire un petit pop avec le centre sur le haut de la pommette. Elle reprend son pinceau et elle va chercher de la teinte du tour. Et elle va venir s'en mettre sur le haut de la joue. Et remonter sur les tempes. Elle vient prendre de la teinte du milieu et elle va venir la mettre sur son os là. Vous voyez, c'est subtil et ça donne super bonne mine, je trouve. Il est super doux, il est très élégant. J'aime beaucoup ce blush. Et un look de Noël ne serait pas un look de Noël parfait sans highlighter. Donc Nicole, elle prend son pinceau highlight de Beauty Bay et elle va venir chercher son produit Charlotte Tilbury préféré. Le beau, le magnifique, le merveilleux Pillow Talk Multiglow. Cet highlighter est un bijou, il est somptueux. Nicole, elle balaye dans tout l'highlighter pour récupérer de toutes les couleurs. Et vous avez vu ce glow cosmique. La magie opère quoi. Le glow de ce produit est fin, subtil, mouillé, il est incroyablement trop beau. Nicole vient à mettre un petit peu sur le haut du nez. À chaque fois que je le mets, je suis émerveillement. On va vite finir ce look des yeux. Nicole, elle vient reprendre sa petite palette Charlotte Tilbury. Elle reprend son petit pinceau, celui-ci, et elle va venir faire son ras de cils inférieur. Elle va venir refondre avec le reste. Et Nicole, elle vient faire pareil de l'autre côté. Vous avez vu la pigmentation, n'empêche. En un coup de pinceau, hein. Hop là, ça vient habiller tout le tour de l'œil. Nicole reprend son doigt et elle va redonner juste un tout petit peu d'éclat. Ici. Est-ce qu'elle trouve qu'il y en a besoin? Et elle va juste venir mettre la petite touche finale de lumière. Juste ici, regardez comme c'est fin.
voilà. Ça fait un look fondu, fumé, super joli, super chic. Tout se fond et se dégrade super bien. Bah, je veux dire, on voit que c'est haut de gamme, quoi. C'est d'une facilité déconcertante. J'adore cette palette, j'adore ce look. Nicole, elle va le finir d'ailleurs, donc je coupe, je mets crayon marron du Quad de Beauty Bay, liner, mascara, puis je fais les lèvres et on se retrouve tout de suite pour la conclusion de ce premier look. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. En crayon, elle a utilisé le crayon marron du Quad de Beauty Bay, en liner, le Epic Ink de chez NYX, en mascara, toujours le Atomic. C'est son petit combo pour les yeux qui va bien. Pour les lèvres, Nicole, au début, elle voulait utiliser son produit Charlotte Tilbury, vous savez, le produit lèvres et joues, sauf qu'il était rouge, même s'il n'était pas très intense. Pour ce look là, avec le vert et tout, Nicole, elle s'est dit, il y a qu'un seul rouge à lèvres qui pouvait marcher, c'était Béatrice. Et j'adore le rendu. Nicole a fini avec un petit coup de spray fixateur, le Urban Decay, qui finit l'ensemble. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Moi, je l'aime beaucoup. Il est pas trop cucu Noël doré, pompon, Merry Christmas, Maria Carré, quoi. Je le trouve super chic, je le trouve très élégant, assez discret en même temps. J'aime beaucoup, et les produits teints de Charlotte Tilbury, il y a rien à dire dessus. Leur efficacité est plus à prouver. C'est des produits qui sont fins, qui sont naturels, qui sont très beaux. Cet highlighter, je crois que je m'en remettrai jamais, le glow qu'il a, tellement il est incroyable et magnifique. Donc voilà, c'était le look numéro 1, le Power Eyes avec Charlotte Tilbury. Vous me direz à la fin si c'est le look que vous avez préféré ou pas. A tout de suite, on se retrouve pour le second look de cette vidéo avec la nouvelle palette d'Anastasia Beverly Hills. Et revoici Nicole pour ce second look. Comme vous pouvez le voir, Nicole, elle est déjà maquillée. C'est la première fois que Nicole vous montre un make-up avant de le réaliser. En général, elle part toujours peau nue, puis elle vous construit le make-up et vous le découvrez à la fin de la vidéo. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce que Nicole, c'est vraiment la reine des bolos, mais genre la méga reine des bolos. En fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait filmé toute la vidéo avec le micro éteint. Donc en fait, la vidéo n'a pas de son. Elle n'aura malheureusement pas le temps de vous refilmer ce look. Et c'est trop dommage parce qu'elle l'aime trop. Elle est obligée de vous le montrer. Juste après ça, vous allez voir le tuto. Mais en son, elle va le faire en voix off. J'espère que ça vous plaira. Nicole est désolée pour ce désagrément. En tout cas, j'espère que ce look vous plaît. Pour réaliser ce look, elle a utilisé la nouveau palette d'Anastasia Beverly Hills. Nouveau, c'est son petit nom. C'est une palette qui est en hommage à l'art nouveau. Anastasia Beverly Hills avait déjà fait ça avec la moderne en essence, qui était en hommage à l'art moderne. Pour vous représenter rapidement cette palette, c'est la deuxième fois que Nicole vous la filme, mais quand elle vous l'a filmée, c'était au tout début de sa chaîne, donc elle était encore très débutante. Ça a été vraiment un des plus gros coups de cœur que j'ai eu cette année. Elle est magnifique, elle est composée en grande majorité de kaki et de rose orangé. C'est absolument magnifique, c'est des couleurs qui sont un peu vintage. Et ce que je trouve hyper intéressant et riche et pertinent avec cette palette, c'est que tous les fards où d'habitude on s'attend à les avoir mat, et ben ils sont irisés, et les fards qu'on s'attend habituellement à avoir en irisé, on les a en mat, et du coup je trouve que ça fait toute la différence et ça fait de cette palette une palette qui est hyper riche. Je vous en dis pas plus, je vais m'appliquer du mieux que je peux pour vous faire la meilleure voix off possible et je vous laisse découvrir ce look en espérant qu'il vous plaise. C'est parti. Nicole, elle a pris de l'avance, elle a déjà attaché ses cheveux, elle a mis de la base sur ses yeux, elle a choisi la base Anastasia Beverly Hills, la mini eye primer bien évidemment, qui est sa base habituelle. Nicole, elle prend ce pinceau estompeur de chez NYX et elle va aller chercher la teinte Paloma, qui est un beige qui va lui servir à poudrer sous son arquette sourcilière afin de faciliter les dégradés qui vont venir avec les fards. Pour ce look, Nicole, elle a décidé de dépareiller ses yeux. Elle avait envie de faire un look de Noël simple, rapide à exécuter, mais en ayant tout de même une pointe d'originalité. Dans cette palette, il y a deux familles de teintes. Il y a les kaki et les roses orangés. Et donc Nicole, elle va faire un œil rose orangé et un œil kaki. Nicole, elle prend le pinceau de la palette Naked en collaboration avec Robin Eisenberg et elle va aller chercher la teinte Liberty, qui est un kaki assez foncé. Et elle va venir l'appliquer sur le coin externe de son œil avant de le remonter dans son creux de paupière. Elle utilise le petit bout plat du pinceau pour poser les fards et elle utilisera le gros en bout après pour estomper. C'est pigmenté, ça marche tout seul, il y a quasiment pas de chute. Et maintenant Nicole, elle prend le pinceau de la moderne renaissance d'Anastasia Beverly. C'est aussi un pinceau à double en bout et elle a choisi, vu qu'elle fait un look symétrique, d'utiliser deux pinceaux qui fonctionnent sur le même principe, donc un double en bout. Nicole, elle va venir chercher la teinte Metro. Elle pose le fard sur son coin externe et elle le rentre dans son creux de paupière. La pigmentation est dingue. Et la couleur est vraiment trop belle. Nicole, elle reprend son pinceau avec le beige pour venir retravailler son dégradé et ça se fond tout seul. Ensuite, Nicole prend le pinceau 232 Classic Shader de chez Zoeva et elle va aller chercher la teinte Hope, qui est
est un kaki irisé. Il s'applique super bien. Mais Nicole, elle préfère encore plus d'intensité, donc elle vient prendre son gros doigt et le tremper dans Hope. Nicole reprend son pinceau Urban Decay avec la teinte Liberty pour venir réestomper les bords. Et ensuite, Nicole, elle vient chercher la teinte Lily pour faire la même chose de l'autre côté. Et cette fois-ci, elle utilise pas un pinceau, hein, elle y va direct au doigt. Et là, Nicole se rend compte qu'elle a une énorme trace de fard sur la joue. Elle a swatché un fard sur sa main, puis elle l'a oublié, puis elle a gratté son visage. Nicole reprend le pinceau de la moderne Renaissance et elle revient flouter les bords comme elle l'a fait sur l'œil précédent. Niveau des chutes, il y en a un tout petit peu, mais rien de grave, c'est anecdotique. Pourtant, c'est des fards qui sont poudreux, mais il faut savoir que les fards Anastasia ont été reformulés. C'est des fards de très 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 bonne qualité. Nicole, elle a fait ses yeux. En primer, elle a utilisé la Marshmallow de chez NYX Cosmetics, qui est son primer qu'elle utilise en ce moment. En fond de teint, elle avait envie d'avoir un petit peu plus de couvrance, donc elle a choisi le HD Skin de Make Up For Ever, qu'elle a utilisé avec le Shape Tape de chez Tarte, en poudre la Huda Beauty, et pour les sourcils, le Brow Fix de Charlotte Tilbury. Elle a choisi d'utiliser la palette Together We Grow de Zoeva parce que c'est une palette qui est super mignonne, chic et élégante. Nicole vient appliquer son bronzer sous l'os de sa pommette. Elle en applique sous son double menton et sur les arêtes de son nez. Puis elle vient chercher le blush qui s'appelle Empathy et elle vient l'appliquer sur ses pommettes. Nicole utilise son pinceau éventail pour mettre de l'highlighter. Elle aime pas ce genre de pinceau pour l'highlighter. Ensuite, Nicole, elle reprend le pinceau de la Naked avec la teinte Liberty pour venir faire son ras de cils inférieur. Et puis elle vient chercher le pinceau de la moderne Renaissance et elle vient appliquer la teinte Métro sous son autre œil et elle le floute bien pour pas avoir un trait net. Et bien ensuite, on va passer au coin interne. Nicole, elle prend son pinceau plat de chez NYX Cosmetics. Pour le côté kaki, elle va venir chercher la teinte Wings, un gris kaki lumineux très 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 joli. Puis, elle nettoie le pinceau sur sa main et elle vient chercher la teinte Isle, Nicole, elle sait pas trop comment on le prononce. Un petit rose orangé très très léger. Il dégage une lumière de ouf. Et voilà, revoilà le look final de Nicole. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le terminer, elle a utilisé le crayon marron du code de Beauty Bay, en liner le Epic Ink de chez NYX et en mascara le Atomic de Martin Cosmetics. Sur les lèvres, elle était obligée, elle a mis le Dusty Rose, c'est le rouge à lèvres Anastasia qu'elle possède. Il va super bien avec, c'est super cohérent, j'adore. Ce que je peux vous dire sur les produits, parce que du coup, y a pas le son, cette palette est définitivement un coup de cœur monstrueux. J'ai retrouvé toutes les sensations que j'ai eues la première fois que je l'ai utilisée. Elle est magnifique, ça me touche vraiment tellement, waouh, cette palette est belle. Et ce make-up que j'ai réalisé avec, je l'aime trop. C'est la première fois que je fais des yeux complètement dépareillés. Les deux couleurs sont complémentaires et ça crée un bel univers. Je suis super contente, vraiment. C'est pour ça que je tenais à tout prix à vous mettre ce look, même si il a un format un petit peu spécial. C'est une forme qui est assez classique et simple que Nicole elle a fait sur ses yeux. Mais ce qui fait toute la différence, c'est le côté verron. Et pour vous redonner un avis là-dessus, elle est très belle. Je trouve qu'il y a une âme qui a une douceur, ce que j'aime chez Zoeva, c'est-à-dire le côté doux, mignon, romantique, classe et chic. Je sais pas si Zoeva sort régulièrement des nouveaux produits de maquillage, on les connaît surtout pour les pinceaux, mais en tout cas, moi je vous recommande vivement de tester les produits teint comme les produits yeux. C'est des basiques qui sont très jolies. Voilà. C'est tout pour Nicole avec ce look. J'espère vraiment qu'il vous plaît autant que moi il me plaît. J'attends la fin de la vidéo pour que vous me disiez vous lequel est votre préféré. On va passer au troisième look. Avec le micro allumé. Et revoici Nicole, cette fois-ci elle a bien vérifié qu'il y avait le son. Elle a pris un petit peu d'avance, elle s'est déjà attachée les cheveux et elle a mis sa base. On arrive à la troisième palette de cette vidéo, la My Dream palette de Natasha Denona. Je voulais vous faire une vidéo complète sur la collection, Nicole elle a pas eu le temps, donc elle s'est dit mais quel meilleur moment pour tester ça que Noël. Regardez-moi cette beauté. Il paraît que c'est un mélange un petit peu entre plusieurs palettes de Natasha Denona, donc la glam, la rétro, et peut-être une autre. Nicole, elle est pas assez experte en Natasha Denona. Ouais. Avec la Charlotte Tilbury, on est sur des prix à peu près équivalents, c'est plutôt du haut de gamme. Vous savez à quel point j'aime les bordeaux. Cette palette, elle pouvait que me plaire. Et il y a un fard duo chrome, là, je sais pas si vous allez réussir à voir. Là, il est rose. Et là, il devient vert. Celui-là, c'est obligé, Nicole, elle va s'en servir. Je vais sans doute pas faire un look très compliqué. Je pense que vous l'avez vu dans cette vidéo. Pour l'instant, Nicole, elle vous a proposé des looks assez simples. Parce que, autant pour le nouvel an, elle a envie de faire pomper l'op, de faire péter la couleur. Autant pour Noël, c'est quelque chose de plus tradit. Et donc, Nicole, elle est plutôt dans un mood où elle a envie de se faire jolie, chic, glam. Mais, toute proportion gardée, elle a envie de passer du temps avec sa famille surtout. Elle a pas envie de passer 8 heures à se maquiller. J'ai pas d'idée précise de ce que je veux faire. Je sais que je vais utiliser les bordeaux. Je sais que je vais utiliser le fard multichrome. J'étais dans l'esprit d'un Aloy. Nicole, elle vous présente son seul et unique achat du Black Friday. C'est les pinceaux Reffer. C'est une marque qui fait des pinceaux haut de gamme. Ils sont incroyables. Elle prend le pinceau numéro 12 de chez Reffer. Nicole va prendre la teinte Instinct. Ça a l'air d'être un bordeaux hyper profond et très très beau.
J'ai mis la base d'Anastasia Beverly Hills, la mini eye primer. Je sais pas si j'ai bien fait de la mettre. Je sais pas comment se comportent habituellement les fards d'achat de Nona. J'ai utilisé que la pastel et bah, on est sur des fards pastel. C'est déjà particulier. D'ailleurs, en parlant de ça, Nicole elle a oublié de poudrer sa paupière. Nicole elle va prendre la teinte Unity. C'est un beige qui est déjà rosé. Il paraît que les fards d'achat de Nona ont une texture incroyable, donc on va voir. Ah oui, c'est même un rose en fait déjà. Ça me fera une teinte de transition. Elle en met sur le deuxième œil. Ah oui, non, c'est le dé. Ah ouais, donc ça se dégrade vraiment tout seul en fait. Nicole, elle reprend son pinceau avec Instinct. Mon pinceau, il est peut-être un peu trop ferme. Elle va prendre un pinceau sans matière, le numéro 15, et elle va dégrader. Ça se dégrade tout seul. Elle descend au coin interne. Je suis trop émue. Je suis trop contente d'utiliser cette palette. Nicole, elle va faire pareil de l'autre côté. Pour ce look-là, on va faire les yeux symétriques. Oh merde. Bah, c'est Nicole qui a mal visé, hein. C'est pas une chute. Elle est super mignonne cette teinte, j'aime beaucoup. Anastasia, les fards mats sont plus poudreux. Là, on est quand même plus proche de la crème. Dans les deux cas, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Ça se travaille super bien. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau réfeur qui est le numéro 14. Et elle va venir chercher la teinte Edgy. Juste pour venir intensifier un petit peu le coin externe. Creuser un peu plus son œil. Et Nicole reprend celui-là pour bien fondre tout ça. C'est joli, je trouve. Et là, Nicole, ce qu'elle va faire, vous le savez déjà. Je vais même pas prendre la peine de salir un pinceau. Nicole, elle va aller chercher la teinte Vision, qui est le fard duochrome, triochrome, multichrome. Oh, il est incroyable. Et elle va venir le mettre au cœur de sa paupière. Je sais pas si c'est pas le plus beau fard que j'ai dans ma collection. Déjà, les lumineux d'Anastasia dans la nouvelle palette sont absolument incroyable et saisissant. On est sur des fards plutôt pailletés, je dirais, mais avec des paillettes de toutes les couleurs qui les rendent absolument uniques. Là, on est sur un fard crémeux à effet multichrome. C'est pas de la paillette. C'est plus un métallisé multichrome. L'effet est juste dinguissime. Je suis estomaquée. Nicole, elle va aller chercher un tout petit peu de aspiration avec ce pinceau. Elle en rajoute juste un petit peu là et là. Et elle reprend son pinceau sans matière juste pour intensifier. Tous les fards, ils se blindent ensemble, mais c'est une tuerie. En trois coups de pinceau, tout est blindé, quoi. Y a pas de trou, y a pas de tache. Je vais juste remettre un petit peu le doigt dans ce fard à effet incroyable. Je pourrais me rouler dedans tellement il est beau. Regardez-moi ça. Cette palette est incroyable. Nicole, elle va couper, elle fait le teint, et puis elle vous reprend bah, pour finir ce magnifique make-up des yeux. À tout de suite. Et revoici Nicole qui a appliqué son fond de teint et son anti-cerne. Elle n'a pas encore appliqué de poudre parce qu'on a quelque chose à tester ensemble avant que je poudre mon teint. Nicole, elle prend ce petit pinceau highlight parce qu'il est venu le temps de tester cette petite palette de Natasha Denona de la collection My Dream que Nicole se retient de tester depuis qu'elle l'a eue. Parce qu'elle voulait la tester avec cette palette, elle avait envie de faire un look avec les trois produits Natasha Denona de la collection qu'elle a acheté. Cet highlighter là, le deuxième est un highlighter crème et les produits crème se mettent avant la poudre. La gravure est trop belle. Ça donne trop envie de pas mettre le pinceau dedans, mais il le faut. Waouh, la texture est trop bizarre. Non, là, on voit. La texture est trop bizarre. On dirait limite une crème, en fait. Je vois pas comment ça peut s'appliquer par-dessus un teint poudré. Ça donne un putain de glow. C'est super mouillé. On dirait du beurre. Attendez, Nicole, elle va essayer de le prendre avec le côté de son éponge. Bon, faut que j'étudie le projet, mais ça donne un glow incroyable, super naturel. Mais c'est trop bizarre, c'est la première fois que je vois une texture pareille. En même temps, j'ai jamais testé d'highlighter crème. Nicole est sur le cul. Donc Nicole, elle coupe, elle poudre son teint, elle met du bronzer parce qu'on va pas tester un bronzer particulier. Elle va sans doute utiliser le bronzer Nocibé. Donc on se retrouve pour tester la suite de la palette pour les joues et pour finir ses yeux. Nicole, elle a poudré son teint, elle a mis son bronzer Nocibé. Pour le teint, elle a utilisé le HD Skin de Make Up For Ever avec le Shape Tape de Tarte. On s'entend de mieux en mieux. Je reste pas fan de cet anti-cerne, mais on s'entend de mieux en mieux. Et puis elle a fait ses sourcils avec le Brow Fix de Charlotte Tilbury, comme depuis le début de la vidéo. On va reprendre notre magnifique petite palette Natasha Denona. Et donc là, on va tester ce blush que Nicole, elle avait juste trop méga envie d'essayer, parce que elle en a pas des comme ça dans sa collection. C'est une espèce de rose fumé, un peu vieilli, vintage, enfin ça a l'air trop beau quoi. Et hop. Oh, il est magnifique. Il est pigmenté. Il est très beau sur la peau. Il est très fin. Nicole, elle refond un peu avec son pinceau poudre. J'adore cette couleur. Il est très chic. Très beau. Elle reprend son pinceau highlight de Zoeva. Et donc on va tester le deuxième highlighter de cette palette. Il est champagne un peu rosé.
Alors, vu que j'aurai les deux ensemble... Waouh, c'est pigmenté. Il pète, hein. Il fait un effet mouillé. Ça, c'est vraiment, vraiment, je pense, une palette de teint pour les fêtes. Regardez-moi ce glow. La petite palette, elle est archi, 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 archi validée. L'highlighter crème, faut que je continue à l'utiliser pour essayer de comprendre ce genre de produit parce que je ne les connais pas. Mais alors, le blush, j'adore. Et l'highlighter, oh là là, j'adore aussi. Nicole, elle va faire son ras de cils inférieur maintenant. Elle reprend la palette. On va faire un vrai halo eyes en fait, pour une fois. Généralement, Nicole, elle fait jamais un vrai halo eyes à 100% parce qu'elle change en dessous, elle met une couleur unique. Et là, elle se dit, et si elle essayait de faire exactement la même forme en bas qu'en haut. Nicole, elle retourne prendre avec son pinceau la teinte Instinct. Et elle va venir la mettre là, là, en intérieur. Et au milieu, alors je sais pas comment je vais faire ça. Nicole va essayer avec ce tout petit pinceau super fin de venir prendre du fard duochrome. On va essayer au doigt. C'est un peu la galère. Ok, et Nicole, elle va prendre son pinceau bordeaux. Et elle va reflouter ensemble. Et elle va prendre ce pinceau-là qu'elle a utilisé sur le haut, vous savez, avec le rose, pour flouter le bas. C'est les trucs qu'elle a pris comme un beige pour poudrer son arcane. Et on va fendre tout le bord, comme ça, ensemble. Mais de toute façon, il se dégrade trop bien. C'est trop trop agréable à utiliser. Nicole a fait pareil de l'autre côté. Et dans le trou. Et elle reprend son petit Unity. Dégrader le bord. Et en coin interne, elle va prendre ce petit pinceau plat et elle va venir chercher Spontaneous, qui a l'air d'être le fard lumineux le plus clair. Elle va venir le déposer en coin interne. Ben voilà pour les fards. Maintenant qu'elle a fini le maquillage des yeux, faut qu'elle rééquilibre parce qu'elle trouve que les joues sont trop palounettes. Voilà. Nicole, elle coupe liner, mascara, crayon, tutti quanti, et puis elle revient. À tout de suite. Et revoilà Nicole, donc elle a utilisé le crayon marron du couette de Beauty Bay, liner Epic Ink et mascara atomique comme dans les autres looks. Elle vous retrouve parce qu'on a une dernière nouveauté à tester. C'est le My Dream Lipstick, le rouge à lèvres de la collection My Dream de Natasha Denona. Nicole, elle a envie de le tester depuis qu'elle l'a reçu. Ça a l'air d'être pile poil dans ses couleurs, donc je vous le montre, voilà, il est comme ça, avec des petites taches et tout. On dirait la couleur de mes lèvres. Il est super glossy. C'est un nude parfait pour moi. C'est pas le rouge à lèvres que j'aurais vu avec ce look. Mais il est magnifique. Mais pas pour ce look. Là, c'est ça qu'il faut. Voilà ce qu'il fallait pour ce look. Nicole, elle a refait son combo habituel. Béatrice Edith. Ça fait un marron violet assez joli. Voilà, le troisième look de cette vidéo spéciale look de Noël. Vous voyez, j'ai fait un look extrêmement simple avec cette palette, c'était avant tout pour la tester et parce que je voulais pour Noël à tout prix le Halo Eyes avec cette teinte incroyable au milieu. Maintenant que je vois le look final réalisé, je me dis que c'est plutôt un look de nouvel an plutôt qu'un look de Noël en famille, c'est peut-être tantiné too much. J'adore la palette teint, le rouge à lèvres est très très beau, c'est juste qu'il n'était pas fait pour ce look. Et la palette pour les yeux, que dire, c'est une superbe palette, ça chute pas, ça se dégrade tout seul, il n'y a aucun effort à faire. Elle est super super agréable à utiliser. Nicole, elle a fait un look qui est fort, mais si vous regardez l'harmonie, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus soft et qui du coup peuvent permettre de faire des looks aussi beaucoup plus soft. Elle est rentrée dans le panthéon des valeurs sûres. Après, si Nicole devait choisir une palette sur les trois, ça serait quand même la nouvelle palette qui me procure éminemment plus d'émotions. Je sais pas pourquoi cette palette-là en particulier me touche à ce point-là, mais des trois looks pour Noël, c'est celui que moi personnellement j'ai préféré. Vous me direz vous quel look vous préférez. C'est trois palettes d'exception, hein. C'est trois palettes magnifiques. Mais c'est celle-là qui m'émeut le plus, c'est celle-là qui me bouge le plus, c'est celle-là qui me plaît le plus. Donc voilà, cette vidéo a sans doute été un peu longue. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous aimez ce format. Moi je me suis éclatée à tourner cette vidéo de look de Noël. J'attends vos réponses en commentaire. Je veux savoir quel look vous a préféré. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Que vous le fassiez en famille, que ce soit festif, que vous ne le fassiez pas et que vous détestiez Noël, éclatez-vous aussi. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyotte. Ouille, 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 qu'est-ce que j'ai mal aux couilles. Aïe, 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 j'ai le trou du cul qui baille. Ouille, 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 qu'est-ce que j'ai mal aux couilles.
Oh Nicole! Putain Nicole!